Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien à la veille de ce grand week-end de Pâques. Aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter un mini junk avant tuto, hein, d'accord ? Donc, ça fait référence forcément à Pâques, hein. On a des petits lapins, des petites choses comme ça. Donc, ça fait partie d'un kit, vous voyez, de 30 pièces, hein, comme celui-ci. Donc, je vais vous faire le tuto de celui-ci. J'aime beaucoup les tons, hein, je vous l'avais présenté, ça vient de chez Temu. Et c'est vrai que c'est super chouette et je vous avais dit, donc vous voyez j'ai encore le prix, 2,63€. Et c'est vrai que je vous avais dit qu'on ferait un petit junk journal. Donc comme j'avais un autre kit dans mes placards, je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire comme un prototype pour... Ensuite, réaliser ce junk journal qui va arriver dans la semaine prochaine. Donc, voilà, il y avait 30 pièces, hein, donc beaucoup, beaucoup de papier. Donc, je pense que c'est aussi pour faire de l'art journal. Hein. Vous voyez, on a des petits lapins, des renards. On avait des oiseaux et des papillons également. Hein. Donc, voilà, il est fait, il est réalisé. Je l'aime beaucoup, il est petit, il est mini et facile à faire. Et franchement, pour les débutants, si vous voulez vous essayer un junk, ces petits kits-là comme ça, c'est parfait. Hein. Voilà, donc j'ai utilisé des produits de chez Action, donc de la dentelle de chez Action. Et je vais donc vous le présenter. Voici comment il s'ouvre. Donc vous voyez... Vous avez un semblant d'œillet là, donc j'ai juste fait un petit trou et j'ai inséré de la dentelle, hein. Tout simplement, vous voyez, très très simple. Et les tons sont vraiment super jolis, hein. Vieux rose, du mauve, franchement c'est super chouette. Hein. Donc c'est parti, je l'ouvre et je vous le présente. Je voulais aussi vous montrer qu'à l'intérieur, j'ai inséré beaucoup de choses de ce bloc qui vient également de chez Action. Alors peut-être que vous le reconnaîtrez, hein, il date un petit peu, mais il y a ces petits lapins et je me suis dit, autant utiliser ce que l'on a. Donc voilà, comme je vous le disais, il s'ouvre avec de la dentelle, un ruban de dentelle de chez Action, hein, que vous reconnaîtrez. Et je vais vous présenter face à vous, comme ça, ça sera encore bien mieux. Donc, vous allez voir, très facile à réaliser. Donc là, vous avez Junk Journal. On peut apposer une petite étiquette ici, hein, pour masquer tout cet élément. Hein. Alors, quand on l'ouvre, vous voyez, comme ceci, moi, j'ai trouvé que c'était une belle idée. Et vous voyez, j'ai mis le fond papillon. Donc, j'ai inséré du papier de chez Action. Je vais également masquer, je pense, mettre des petites fleurs ici, vous savez, de chez Action, dans les tons de rose, mauve, pour masquer mon agrafe. Hein. J'ai accroché donc des petites de la dentelle. Donc ici, il est maintenu sur le côté, vous voyez, bah, comme un junk. Hein. J'ai fait la petite couture. Donc, on l'ouvre comme ceci. Donc, vous avez un petit peu de dentelle qui dépasse sur un fond rose. Hein. Voilà. On ouvre. On retrouve tous les petits animaux de la forêt, là, hein, avec des petits lapins, des hérissons et des petits renards. Ici, pour ne pas s'abîmer les doigts, j'ai mis un petit peu de washi que j'ai acheté également chez Temu, un ruban de washi vintage. Voilà, je pense que vous reconnaîtrez ce papier, hein. Il vient de ce bloc-là. Et c'est vrai que c'était sympa parce qu'on avait plein de choses, des sentiments, des onglets. Il était assez complet. Hein. Vous voyez, on peut noter plein de choses. C'est pour faire, je pense, un bullet journal, mais c'est sympa. Donc, j'ai mis quelques petits stickers, des pages de livres. J'ai relié deux pages de livres. Vous voyez, avec ce genre de petites choses, hein, c'est tout simple. C'est pour les rassembler ensemble. Donc, voilà comme il se présente, hein, vous voyez. Donc, vous avez au recto, au verso, petit renard.
Ils sont jolis, hein, ces papiers. Hein, c'est magnifique. Hein. Ici, encore du papier. Alors, de chez Temu, hein, ce papier-là, c'est du 15-15. J'ai mis une petite agrafe avec de la dentelle. De la dentelle qui dépasse sur l'autre côté. Encore du papier qui vient de ce bloc-ci. Des petits stickers. Vous voyez, c'est mignon. Je le trouve assez sympa. Enfin, moi, il me plaît beaucoup. Hein. Le petit renard. Hop, un petit lapin, un oiseau. Ils sont beaux ces papiers. De la dentelle. J'ai rassemblé donc les pages avec, vous voyez, un morceau de page de livre. Et j'ai collé un petit lapin. J'ai suspendu des petites perles. Hein. Voilà. Vous voyez, elles tiennent entre elles comme ceci, avec du papier de livre. Hein. J'ai coupé environ 3 cm hein, et puis j'ai déchiré pour faire un effet plus vintage. Encore un petit lapin, un ruban de chez Action, hein, de la dentelle toujours. Voilà, des petits lapins, un petit peu de dentelle ici. Et vous voyez, hop, en dessous, j'ai juste accroché, agrafé les petites valises. Mon joli ruban de washi, vous voyez, il est chouette hein, celui-ci. Hein. Moi, je l'aime bien. Des petites fleurs, donc je vais atténuer un petit peu le blanc. Un petit renard. Au dos, on retrouve ce joli papier là avec ces jolies roses. Encore de la dentelle. Donc, vous voyez, je l'ai bien rempli, mine de rien. Des petits papillons. Une page de livre avec des petits stickers. Happy Day. Et on retrouve ce papier qui vient de ce bloc. Recto et verso. Un bel oiseau, mon joli papier 15-15 hein, de chez Temu et le petit papillon. Et voilà. Et au dos, j'ai collé un petit lapin pour faire référence à Pâques. Hein. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien quand ça dépasse un petit peu la dentelle. Et vous venez donc le ficeler tout simplement comme ceci. Hein. Alors, soit vous passez juste et vous faites un nœud, un joli nœud. Soit vous passez juste les deux. Voilà. Moi, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous voulez donc que je réalise avec vous ce mini junk. Si vous avez ce genre de kit, bah, autant le faire. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je vous avais dit dans une autre vidéo qu'il y aurait un mini junk à gagner, donc c'est celui-ci, hein, celui de Pâques. Donc vous avez juste à me marquer dans les commentaires un petit mot mystère, hein, vous savez que j'aime bien ce genre de petites choses, et vous me mettez bah, tout simplement le mot lapin dans une jolie phrase, et je ferai un petit tirage au sort semaine prochaine à l'issue du tuto de celui-ci. Ok ? On fait comme ça? Voilà, c'est mon petit cadeau de Pâques. Je vous souhaite un très très bon week-end d'ailleurs hein, de Pâques, j'espère en famille. J'espère que ce petit livret junk, mini junk vous plaît. Je vais fignoler tout ça. Hein. Donc j'espère qu'il vous plaît. Voilà. Et donc il est à gagner. Voilà. Bah, écoutez, j'attends avec impatience vos retours et vos commentaires. Et puis, on se retrouve dans la semaine prochaine. Gros, gros bisous. Bon week-end de Pâques.